Trotro, viens déjeuner. Mais je joue, maman. Viens vite, ça va refroidir. Tiens, Trotro. Oh non, j'aime pas le poisson. Je ne pourrai jamais manger tout ça. J'ai trouvé, je vais le cacher. Berk, où le mettre? Voilà, sous l'assiette. Ça va pas, ça se voit. Ça ne va toujours pas. Berk, ça ne va pas non plus. Tu as fini, Trotro? J'ai une idée. Maman, j'ai fini! C'est bien, mon Trotro. Voilà, je t'apporte ton gâteau. En attendant, remets ta serviette. Oh, comment je vais faire? Tiens, Trotro, voilà ton gâteau. Miam, miam. J'ai fini, maman, je vais jouer. Oh, Lily, Nana, coucou. Tu as un beau ballon, Lily. Allez, on joue à courir derrière. Ne pleure pas, Lily. Attends, mon mouchoir. Ah! Oh! Bravo, Trotro! Quel joli tour de magie! Bravo! Le magicien Trotro vous remercie. Tu as vu ça, nounours? Mais où es-tu, mon petit nounours? Ah, je t'ai trouvé. Mais tu es tout sale. Viens, je vais te faire prendre un bain. Voilà, nounours. Ton bain est prêt. Ne t'inquiète pas. Tu vas redevenir tout propre. Quel beau plongeon, nounours! Bravo, nounours! Tu es un vrai champion! Moi aussi, j'aime bien prendre mon bain. Maman, tu peux me faire couler l'eau du bain? Une seconde, je termine ce travail et j'arrive. Joue un petit peu en attendant, mon Trotro. Maman met longtemps à finir son travail. J'ai une idée. En attendant, maman, je vais aller chercher mon canard en plastique pour le mettre dans le bain. Mon canard jaune pour le faire nager. Peut-être que je peux aussi apporter mon bateau. Mon petit bateau dans l'eau, ça va être rigolo.
Il y a encore beaucoup de place dans cette baignoire. Je vais chercher mon ballon. Un ballon comme à la plage. Je vais aussi rapporter mon seau et mon râteau. Et voilà, il ne manque plus que mon arrosoir rouge. Je vais le chercher. En plus, j'ai trouvé plein d'animaux pour jouer dans mon bain. Qu'est-ce qui manque encore ? Il ne manque plus que toi, nounours. Alors, Trotro, tu es prêt pour prendre ton bain ? Oui, maman, regarde, j'ai tout préparé. Mais Trotro, il n'y a plus de place pour l'eau. Ça ne fait rien, maman. Je vais prendre un bain de jouets. Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman! Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement! Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Hein? Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Oh! Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, Trotro, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Hein? Bravo, papa. Bravo, papa. Merci, papa. Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, Trotro. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas. Je te passe Trotro. Tiens, Trotro, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? D'accord, nounours. Aujourd'hui, on joue à la dinette. On va faire de la soupe pour nounours, pour Trotro, pour papa et pour maman. Et pour faire de la soupe, il faut aller ramasser les légumes. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre. Mais les petits cailloux, c'est très bien aussi. C'est bon, les pommes de terre. Pour la soupe, il faut aussi des poireaux.
Oh, j'ai une idée. Je vais mettre du fromage râpé. Ça sera encore meilleur. Touille, touille, touille. Oh, il faut du sel aussi. Plein de sel. Merci, monsieur le camion. Qu'est-ce qu'il manque encore? De l'eau. Surtout, fais très attention, Trotro. Il ne faut pas en renverser. Touille, touille, touille. Et voilà, c'est prêt. Je vais la faire goûter à Nounours, à maman et à papa. Papa, maman, venez vite goûter ma soupe. Tiens, papa, mange ma bonne soupe. Délicieuse cette soupe, Trotro. Tiens, maman, à toi de goûter. Non! Ma soupe! Oh, quel dommage! Tu es vraiment maladroite, maman! Pour la peine, c'est moi qui vais faire la soupe pour le dîner, Trotro. Ouf! Heureusement, il en reste juste assez pour la faire goûter à Nounours! Trottinette. Ouais. Elle est belle. Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite. Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo. Non, tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum. On fait la course si tu veux. Le premier qui fait le tour du jardin a gagné. D'accord, Boubou, tu es l'arbitre. Tu vas voir. 3, 2, 1, partez. Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan. Youpi! Lily est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Encore une fois. Oh non! J'avais oublié Lily. Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée. J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et... c'est moi qui suis arrivée en premier donc, c'est moi qui ai gagné. C'est vrai, c'est elle qui a gagné Trotro. Oh non, on refait la course Lily? Non, ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur Trotro. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat. Le premier arrivé a la plus grosse part. Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas. Petit déjeuner est prêt, Trotro.
Il est temps de se lever, Trot-Trot. Je suis bien dans mon lit. Ce matin, j'ai décidé de rester au lit. Ton petit déjeuner est prêt, Trot-Trot. On peut très bien s'amuser dans son lit. Comme jouer à l'explorateur, par exemple. Je suis dans une grotte mystérieuse. Trot-Trot, hein? Ton petit déjeuner va être froid. Oh. C'est grand ici. Je vais jouer au cirque et regarder Nounours qui fait son numéro. Et un supérieur arrière. Deux supérieurs arrière. Ouais, bravo Nounours. Allez, encore une fois. Ouais, bravo Nounours. Allez. Je ne suis pas contente du tout, Trot-Trot. Et maintenant, je suis sur un radeau pris dans la grande rivière. Trot-Trot, je vais venir te sortir du lit. Oui. Plongeons. Nage, nage, nage. Trot-Trot. Quel paresseux ce Trot-Trot. Rester au lit, c'est bien, mais jouer dehors, c'est encore mieux. Papa, vite! Je veux jouer avec mon nouveau jeu. Va chercher le tuyau, Trot-Trot. J'y vais. Tu peux ouvrir le robinet, Trot-Trot. Monsieur le Rouge. Vite, à la pêche. Oh, raté. Oh, encore raté. Tu n'es pas gentil, le Rouge. Je vais essayer le Vert. Oh. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Trot-Trot? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trot-Trot. Et tu vas y arriver. Voilà. Oh. Comme ça. Ouais, un poisson. Oh, un deuxième. Et tout seul, celui-là. Oh, Trot-Trot, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà. Donne, c'est ma canne. Hé, hey. Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez! Un poisson! Un canard! Un poisson! Un canard! Oh! Vous faites un concours de pêche? Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Ah!
Lily, tu m'as fait rater mon canard. Et le poisson rouge. Ce n'est pas juste. Hey, Lily, un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette. D'accord. Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble. D'accord. D'accord. Trop trop, Lily, Boubou, venez goûter. Oh. Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ils ont invité plein de copains à goûter. J'ai perdu Nounours. Mais où est-il? Ah! Dans ce buisson, peut-être. Nounours, tu es là? Où te caches-tu? Mais où peut bien être Nounours? Maman, j'ai perdu Nounours. Il a disparu. Tu as bien cherché dans toute la maison? Oui, partout. Cherche un endroit auquel tu n'as pas encore pensé, Trotrot. Bonne idée! Peut-être que Nounours se cache sous le fauteuil de papa pour me faire une farce. Nounours n'est pas là. Peut-être que Nounours prend son bain. Nounours n'est pas là non plus. Peut-être que Nounours a faim. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, Trotrot? Eh bien, je cherche Nounours. Mais il ne peut pas être là, voyons. Ferme tout de suite la porte. Mais où alors? Nounours est perdu. Pour toujours. Nounours est forcément quelque part, il suffit de réfléchir. Bois ton lait, Trotrot, cela te fera du bien. Oh. Quel jour on est aujourd'hui, maman? Dimanche, Trotrot, pourquoi? Ah, je l'ai trouvé! Ouais, youpi! Ouais! Ouais! J'ai trouvé Nounours! Youpi! Bravo, Trotrot! Où était-il caché? Nounours était dans ton lit, voyons, maman. Tu sais bien que le dimanche, Nounours aime bien faire la grasse matinée dans le lit de papa et maman. Mais oui, bien sûr. Mon petit Nounours, je t'ai retrouvé. Comment faire pour que Nana me regarde? Maman! Maman! Maman, comment faire pour que Nana m'aime bien? Eh bien, par exemple, tu peux lui faire un compliment. Oh, c'est quoi un compliment? Un compliment, c'est quand tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un. Merci, maman. Avant d'aller voir Nana, il faut que je m'entraîne à faire un compliment. Tu es vraiment le plus beau des nounours. C'est facile de faire un compliment. Joli ballon, comme tu es bien rond. Je fais des beaux compliments. Il faut que je trouve Nana. Monsieur le pommier,
comme tu es grand et vert. Oh! Bravo, pommier, et merci pour tes belles pommes rouges. Miam, 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 miam. Elles sont bonnes. Merci. Et toi, la balançoire, comme tu balances bien. Mais c'est Nana là-bas. Oh, je n'ose pas. Il faut que je m'entraîne encore une fois. Petite Marguerite, comme ton cœur jaune est joli. Bon, ça y est. Je suis vraiment prêt à faire mon compliment à Nana. Bonjour, Trotro. Comme tu es drôle. Tu ressembles à un poisson rouge comme ça. Est-ce que Nana m'a fait un compliment? C'est gentil, un poisson rouge. Nana m'a fait un compliment. Nana m'aime bien. Non et non. Le gâteau pour la fête de maman, je le fais tout seul. D'accord, Trotro. Si tu as besoin de moi, je suis à côté. Non, je sais le faire tout seul. Et un bon yaourt, et un pot de farine, deux pots. Oh, ça ne descend pas. Maintenant, il faut bien touiller. Touille, touille. Et un pot d'huile. Moi, je connais bien la recette. Et maintenant, un pot de sucre. Papa, papa! Oui, Trotro? C'est pour le sucre qui est rangé là-haut, s'il te plaît. Tu veux que j'en mette dans ton pot? Non, je vais le faire tout seul. Et un œuf. Ah! Zut, par terre. Raté celui-là aussi. Ah, voilà un gentil œuf qui va dans le plat. Touille et retouille. Hop, dans le moule. Papa, j'ai fini mon gâteau. C'est moi qui allume le four tout seul. Oui, mais c'est moi qui surveille la cuisson de mon gâteau. Il y en a pour une demi-heure, Trotro, c'est long. Alors on a le temps d'aller couper un joli bouquet de roses à maman. Oh. Méchante. Eh oui, ça pique. Les roses ont des épines. C'est mieux si c'est toi qui les cueilles, les roses. Mais c'est moi qui les offrirai tout seul à maman. Papa, le gâteau est cuit. Mais c'est toi qui le sors, parce que c'est dangereux. Le four est brûlant. Il sent bon. Maman sera contente. Pour que maman soit vraiment contente, il faut aussi ranger la cuisine. Mais ça, je ne sais pas le faire tout seul. Coucou, c'est moi. Tiens, bonne fête, maman. Oh, comme il est beau. C'est gentil. Merci, mon Trotro. Viens, maman. Il y a une surprise à la cuisine. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Oh, quel beau gâteau. Merci, Trotro. Et comme la cuisine est bien rangée. Oh, ça, c'est papa qui l'a fait tout seul. Merci, papa. Et goûter ton gâteau, ça aussi je sais le faire tout seul. Il pleut trop fort, on ne peut pas jouer dehors. Peut-être que si on dit stop pluie, tous les deux ensemble, elle va s'arrêter. Allez, à trois. Un, deux, trois. Stop pluie! Ça ne marche pas. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller tous les deux.
Il pleut et on ne sait pas à quoi jouer. Vous pouvez jouer aux animaux devinettes, par exemple. C'est quoi les animaux devinettes? Eh bien, j'imite un animal et vous devez deviner lequel c'est. Cote, cote, cote. Une poule. Oui, c'est bien. Continuez tout seul pendant que je vais préparer votre goûter. C'est moi qui commence. Quoi, quoi? C'est une grenouille. Gagné, à toi de faire. Quoi, 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 quoi? Facile, c'est un canard. À moi. Miaou, 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 miaou. Je sais, tu es un chat. Oui, comme ça je te mange, petit canard. Oh, je ne suis plus un petit canard, je suis un gros chien. Rah, rah, rah. Miaou. Ouf, ouf. Tu ne peux pas me rattraper parce que maintenant je suis un cheval. Tagadak, tagadak. Si, je peux te rattraper parce que je suis un loup maintenant. Et moi, je suis un papa ours qui veut lire son journal tranquillement. Même si le loup m'attrape, je ne crains rien. Parce que maintenant, je suis un tigre. Tu ne peux rien faire contre moi. Je suis très fort. Je suis un éléphant. Pom, 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 pom. Eh bien, moi, je suis un éléphant-tigre. Mais ça n'existe pas, un éléphant-tigre. Maintenant, si, ça existe, puisque je l'ai inventé. Le goûter est prêt, les enfants. Voilà les garçons, je vous ai préparé de bonnes petites tartines. Nous, on ne veut pas de petites tartines, on en veut des grosses parce qu'on est des gros éléphants. Pas vrai, Boubou? Oui, même que Trotro, c'est un éléphant-tigre. Maman, regarde mon beau costume de judo. Il est très beau, Trotro. Avec, tu ressembles à un vrai champion. Le professeur de judo est content de Trotro. Il dit qu'il est très doué. Ya ta. C'est bien, mon Trotro. Ya 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 ya. Moi, je suis un petit champion de judo. Hey, Lily, Nana, vous avez vu? Je suis un petit champion de judo. D'abord, ce n'est pas parce que tu as un habit que tu es un champion, Trotro. Et puis, les champions de judo, ils ont une ceinture de couleur. Oui, c'est vrai. Et toi, elle est blanche, ta ceinture. Mais... Maman, maman! Oui? De quelle couleur est la ceinture des champions de judo? Je ne sais pas très bien, Trotro. Suivant la force, il y a plusieurs couleurs, je crois. Des couleurs? Comme l'arc-en-ciel? Oui, c'est ça. Demande à papa, il doit savoir. Papa, papa, c'est quoi les couleurs de l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais pourquoi veux-tu savoir ça, Trotro? C'est pour être un vrai champion de judo. Les cravates de papa, c'est comme des ceintures bleues, rouges. Je me souviens plus des couleurs. Tant pis, je les prends toutes. Oh, je vais être un très 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 fort petit champion de judo. Tu m'attraperas pas, Lily. Tu m'attraperas pas. Nana, Lily. Chat. Vous avez vu, je suis un super champion très fort maintenant. J'ai toutes les ceintures de couleur. Oui, mais à cause de toi, c'est moi le chat. Touché. Oh. Attention, c'est trop trop le chat. Chat, Lily. Tu m'auras pas, Lily. Oh. Ça y est, je suis championne de judo. Moi aussi, je veux être championne. Tu n'auras pas mes ceintures, Nana. Youpi.
regardez, moi aussi je suis championne de judo. Super drôle ce jeu de champion. Allez, encore. Oh, ouais. La 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 l'air, j'ai plus de ceinture que vous. C'est moi le plus fort des petits champions de judo. La 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 la, la 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 la. Et voilà, 5 gâteaux. Maintenant, je vais décorer mes gâteaux. Lily, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh oui. On va bien s'amuser. Bonjour, madame la fleuriste. Je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau, madame. Ce n'est pas cher. Je le prends. Merci. Au revoir, Nana. Bonjour, madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? Ah, j'ai trouvé quel marchand je vais être. Attendez, moi je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose, c'est moi la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, oyez. Venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Oui, oui. Attends, à moi, Boubou. Je te donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. C'est drôle. Je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro, livreur express. On va faire un goûter. Ah! Oh, tu peux m'aider, Lily? Viens, Trotro, on sera mieux sous cet arbre pour goûter. On va manger du chocolat. On va partager. Le chocolat avec du pain, c'est bon. Oh non! C'est tout fondu. C'est normal, le chocolat, ça fond quand il fait chaud. C'est bon quand même, le chocolat fondu. Oui, mais ça colle. Tiens, rince-toi les mains, Trotro. Moi, j'ai encore faim. Pas toi, Lily? Des gâteaux à la fraise. Ah, ça va être bon. Une abeille! Ne bouge pas, Lily. Tu sais, les abeilles préfèrent les gâteaux aux petites filles. Oh, merci, Trotro. Tu m'as sauvée.
maintenant, j'ai soif. Je n'ai qu'un seul jus de fruits. Et moi, j'ai deux pailles. C'est rigolo de goûter sur l'herbe. Oh oui. Oh non, il pleut. Notre goûter est fichu. On va être tout trempé. Mets-toi sous la nappe, Lily. Elle va nous abriter. Votre goûter, les enfants. Merci, maman. C'est bon de goûter à la maison. Et alors, le léopard s'enfuit et le crocodile plongea dans la rivière. Voilà, l'histoire est finie. Maintenant, vous allez dessiner les animaux d'Afrique. D'abord le soleil, parce qu'il fait très chaud. Je suis avec mes amis en Afrique. On joue à faire la course. Oh là là, vous courez plus vite que moi. Dépêchez-vous de dessiner les enfants. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je n'ai pas encore fini mon dessin d'Afrique. Mais maintenant, je ne suis plus fatiguée. Je vais vite dessiner tout mon rêve. Ça y est, j'ai fini mon dessin. Bravo, Trotro, c'est magnifique. Mais tu n'as pas oublié quelque chose, là? Ah oui, je n'ai pas mis mon nom. C'est le dessin de Trotro. Trotro, c'est l'heure de la sieste. Oh. Non. Si, on range tout ça et vite au lit. Mais papa, j'ai encore envie de jouer. Tu sais, papa, je n'ai vraiment pas sommeil. Si tu veux jouer avec Lily, il faut d'abord te reposer. Je n'aime pas la sieste, ça ne sert à rien. Et je ne veux pas entendre de bruit. C'est maintenant que j'ai envie de jouer. Chut, nounours, pas de bruit. Et maintenant, on va jouer tous les deux. Je vais te faire une cabane. Tu aimes ta nouvelle maison, hein?
Tchou-tchou, on veut passer. Tchou-tchou. Oh, on fait trop de bruit. Oh. Je vais faire une promenade à cheval. Allez, plus vite! Un canard, une poule, une oie, un poussin. Ah. Debout, Trotro, tu peux aller jouer avec Lily maintenant. Tu vois que tu avais besoin de dormir. À quoi on joue, Trotro? À la course, le premier arrivé à l'arbre a gagné. D'accord, partez. Oh, je suis trop fatiguée, j'ai envie de dormir. Gagné. Ah, et si on jouait à faire la sieste? Mais tu sais, Trotro, je n'ai vraiment pas sommeil. Trotro? J'adore faire du roller. Je n'en ai jamais fait. Ce qui est bien avec les rollers, c'est qu'on n'a pas besoin de ses chaussures. Ah. Oh. 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 Je préfère en faire tout seul. Le grand saut de Trotro, le héros. Hein? Ah, ah, ah. Bravo! Oh. Oula! Et la chute de Trotro, le héros. Tu as raison, Lily. C'est pas facile, le roller. D'ailleurs, j'en ai assez, moi. Ce qui n'est pas bien avec le roller... c'est qu'on n'a pas ses chaussures pour rentrer à la maison. Bonjour, papa. Bonjour, Trotro. J'ai faim. Alors, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Des céréales? Oh, regarde, papa, il y a un cadeau. C'est un sifflet?
Hein? Qu'est-ce que c'est? Mon nouveau sifflet. Trop trop. Finis d'abord ton petit déjeuner et tu pourras jouer avec ton sifflet dehors. D'accord, papa. Miam, miam. Attention, le train va partir. C'est fatigant d'être un train. Oh, un oiseau! Je vais lui répondre. Oh non, monsieur l'oiseau! Reste encore un peu. Bon, tant pis. Le train redémarre. Tiens, voilà Lily et Nana sur leur vélo. Stop, je suis Trotro, le nouveau policier de la circulation. Passez. Stop. Hé, hey, moi aussi je veux passer. C'est moi le policier, c'est moi qui décide. Passez. Trotro, on peut jouer avec toi au sifflet? D'accord, venez, j'ai un jeu génial. C'est 1, 2, 3 sifflets. 1, 2, 3. Oh, 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 oh non! Tu as perdu, Lily. On continue, Nana. 1, 2, 3. Touché, Trotro, j'ai gagné, j'ai gagné. Bien joué, Nana. On refait une partie? D'accord, Trotro. C'est moi qui ai gagné, c'est à moi de faire le 1, 2, 3 sifflets. Non, c'est mon sifflet. C'est moi qui siffle. Si tu ne prêtes pas ton sifflet, Trotro, nous, on s'en va. Attendez! Vous pouvez faire la course et moi, je vous donne le départ avec mon sifflet. D'accord, Trotro. Attention, à vos marques. Prêt? Partez! Revenez! La prochaine fois, je vous prêterai mon sifflet. Hein. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Oh! Tous ces cadeaux de Noël, c'est tout pour moi! Oui! Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chouette! Un jeu pour jouer avec les copains! Oh! Ouais! Le gros maintenant! Oh! Exactement ce que je voulais! Qu'elle est belle! Ha ha ha! Ma voiture, elle va vite. Alors, tu es content? Oui. Est-ce que tu me prêterais ta voiture, Trotro? Non, 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 pas maintenant. Ouais, c'est bien. Il faut que Boubou la voie. Allô, Boubou? C'est moi, Trotro. Tu as ouvert tes cadeaux de Noël? Quoi? Moi aussi? Tu viens jouer? D'accord. C'est Boubou. Youpi! Viens vite. Oh! C'est la même que la mienne. On fait la course? C'est moi qui vais gagner. C'est la mienne, j'ai gagné. Comment c'est la tienne? C'est la mienne celle-là. J'ai une idée pour ne pas les confondre. Hey, monsieur.
Monsieur Nounours prend la tête de la cour. Oui. Ouais. Eh, hey, tu les as vues les grosses boîtes? On dirait des bateaux sur la mer. Moi, je suis le terrible pirate Trotro. Et moi, le terrible Boubou. Il y a la tempête sur la mer. Oh. C'est rigolo, les grosses boîtes de cadeaux. Je vais à la pêche aux crabes. Les crabes, on les trouve dans les rochers, dans les trous où il y a de l'eau. En voilà un. Ah. Viens, petit crabe, dans mon seau, plein d'eau. Un coquillage. Une coquille d'huître. Un oursin. Attention, ça pique. Tiens, un coquillage à pattes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une moule. Et hop, dans l'eau. Une étoile de mer. C'est beau. Et hop, dans le seau. Oh, un poisson doré. Si je pouvais l'attraper. Oh. Et hop. Je rajoute des algues pour qu'ils se sentent bien chez eux. Je vais montrer mes trésors à maman. Oh là là, c'est lourd. C'est parce que mon seau est trop plein. J'ai une idée. Et voilà. Une grande maison pour vous. Ouf, il fait chaud. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah, c'est de l'eau qui pique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'eau qui pique, c'est du crabe qui pince. C'est bien, Trotro. Bravo, Trotro. Range-les dans le placard, s'il te plaît. Oui, papa. Les grandes bottes de papa, les moyennes de maman et les petites de Trotro. Elles sont vraiment grandes, celles de papa. Hop, c'est facile à mettre. Oula, oula. Mais c'est difficile de marcher avec. Avec ça, j'ai les pieds de papa. Hop, hop. Oh, je vois tout bizarre. Comme ça, je suis papa d'en haut jusqu'en bas. Bonjour, je suis le papa de Trotro. Oh. Bonsoir, Trotro. Hop. Voyons mon journal. Alors,
quelles sont les nouvelles? C'est drôle de jouer à papa. Bonjour, madame, maman. Tiens, tiens, mais qui rentre dans la cuisine? Je suis le petit papa. Bonjour, monsieur le petit papa. Le petit papa veut sa tartine de confiture pour lire son journal. Coucou, maman, je suis trop. Je fais un câlin à mon petit nounours. Tiens, le petit trotro, voilà une bonne tartine de confiture pour ton goûter. Miam, miam, le petit trotro va se régaler. Ah non, trotro, c'est moi. C'est mon nounours. D'accord, tu as raison, trotro. Oui, et moi, je suis votre trotro, et c'est très bien comme ça. Et la tartine de confiture, elle est pour moi. Et maintenant, Trotro fait une passe. Et c'est encore Trotro qui récupère le ballon. Super, bravo Trotro. Et maintenant, un but. Oh! Oh, mais c'est un bébé oiseau. Qu'il est mignon. Mais où sont tes parents? Tu ne peux pas rester tout seul, tu es trop petit. Tu ne sais même pas voler. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Je vais te fabriquer un petit lit. Il ne te plaît pas? Peut-être que tu as soif. Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé! Tu as faim! Regarde, il reste encore une glace. Tu vas te régaler. La fraise, c'est mon parfum préféré. Tiens, c'est pour toi. Tu n'aimes pas la glace? Je vais voir ce que je trouve d'autre. Peut-être que tu préfères le fromage. Tu as l'air un peu difficile. Mais je vais chercher quelque chose d'autre. Là, si ça ne te plaît pas, je ne sais plus quoi te donner. Mais que se passe-t-il, Trotro? D'où vient ce petit oiseau? Tu sais, il était abandonné tout seul au pied du pommier, alors je l'ai rapporté à la maison. Mais Trotro, ce petit oiseau a besoin de ses parents. Ils sont partis lui chercher de la nourriture. Alors que faut-il faire, maman? Nous allons le remettre dans son petit nid. Regarde, maman, le petit nid est là. Tu vois, ses parents ne sont pas là. Pose le petit oiseau dans son nid, Trotro, et nous allons bien voir. Regarde, Trotro, voici ses parents. Oh, il a l'air de bien aimer les vers de terre. Tu vois, Trotro, ses parents savent ce dont il a besoin. Ils ne l'ont pas abandonné. Tu sais, maman, je suis bien content que le petit oiseau ait retrouvé ses parents. Trotro, réveille-toi. Va vite faire ta toilette. La toilette. Quand on commence au début, c'est toujours embêtant. Brr, c'est froid.
Mais quand on continue après, c'est marrant. D'abord les mains. Ça, ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. Il faut frotter de haut en bas. J'adore le dentifrice à la framboise. Belle dent blanche. Tu es tout beau, mon trotro. Tu es tout beau, mon trotro. Trotro, tu as fini? Oui. Oh là là, Trotro, mais tu es tout sale. Va vite faire ta toilette. Mais je l'ai déjà faite. Eh bien moi, je crois que tu vas devoir recommencer. Faut tout recommencer. Faire sa toilette au début, c'est toujours embêtant. Mais quand on continue après, c'est amusant. D'abord les mains, ça, ça va. Ensuite, se débarbouiller la figure. Brrr, c'est froid. Se brosser les cheveux. Et pour finir, les dents. J'adore le dentifrice à la framboise. Tu es tout beau, Trotro. Aujourd'hui, je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant les chaussettes. Les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet et mes moufles. Maman les avait cachés là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh! Viens dans l'autre trou, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Rah!
suis un petit monstre. Rar, rar, rar. Oh. Bouh. C'est moi le plus fort des petits monstres. J'ai une idée. Et voilà, mon joli château. Bouh. Tu m'as fait peur, trop. C'est moi le petit monstre. En plus, tu as cassé mon château. Tu es méchant. C'est normal. Je suis le plus méchant des petits monstres. C'est moi le plus vilain des petits monstres. Je connais un vilain petit monstre qui n'aura pas de gâteau ce soir si sa maman n'a plus d'œufs. Les monstres ne mangent pas de gâteau. Bouh. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est moi le petit monstre. Oh, oh, si je t'attrape, petit monstre. C'est rigolo d'être un petit monstre. Tout le monde a peur de moi. Grave, grave. Bouh. À qui je vais faire peur maintenant? Mais qu'est-ce qui se passe, trop? De quoi tu peurs comme ça? Dans le jardin, il y a une grosse araignée. Mon petit trop, tu n'as rien à craindre. Les petites bêtes ne mangent pas les petits monstres. Oui, eh bien, moi je veux plus être un petit monstre. Comme ça, je pourrais manger du gâteau. Boing. J'aime bien jouer au ballon, c'est rigolo. Et en plus, je suis très fort au ballon. Qu'est-ce que tu veux, trop? Tu joues au ballon avec moi? J'ai encore plein de choses à faire. Non, trop, pas maintenant. Oh, dommage. Eh bien, pourquoi ne pas demander à papa? Ah! Oh. But! Joli tir, trop. Merci, papa. Dis, tu joues au foot avec moi? Pas maintenant, trop. Tu vois bien que je suis occupé. Oh, toi aussi. Alors, je peux t'aider? Mais oui. Très bonne idée, trop. Tu pourrais mettre les feuilles dans la brouette? Oh. Bon, et si tu faisais du vélo en attendant que je finisse de jardiner? Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, 20. Bonjour Lily, tu joues avec moi? 9, 12. Hein? Non, pas maintenant, parce que là je compte jusqu'à 100, tu vois. 12, 8, 22, 13. Jusqu'à 100? Mais c'est long! Pas maintenant, je te dis. 18, 17, 14, 13, 23, 48. Pas maintenant, 79, pas maintenant. 18. Mais moi, c'est maintenant que j'ai envie de jouer. Au moins, toi, tu as toujours le temps pour moi, nounours. En Afrique, il était une fois une girafe et un zèbre. Ils adoraient jouer au ballon. Mais ce jour-là,
le ballon tomba juste à côté d'un lapin caché dans l'air. Oh ! Trotro ? Hein ? Quoi ? Eh bien, j'ai fini de compter, tu viens jouer ? Pas maintenant. Tu vois bien que je suis occupée. Oh ! Alors, le lapin donna un grand coup de pied dans le ballon. Trotro ? Trotro ! Oh ! Et si on faisait une partie de ballon tous ensemble ? Oui ! Vous voyez bien que je suis déjà occupée ! Pas maintenant. Je vais faire un gâteau, Trotro. Est-ce que je peux faire un gâteau moi aussi? Bonne idée, mon Trotro. Pour faire un gâteau, il faut de la farine. Pour faire un gâteau, il faut aussi des œufs. Oh. Fais attention, Trotro, il n'en reste plus que deux. Pas facile de casser des œufs. Bravo, Trotro. Pour faire un gâteau, il faut du sucre. Un peu, beaucoup, mais pas trop, trop trop. Touille, touille, je fais de la patouille, touille, touille. Tiens, mon Trotro, le rouleau à pâtisserie. Et roule, roule, petit rouleau, roule, roule. Des petits trous, des petits trous. C'est encore plus rigolo avec des fourchettes. Tic, 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 tic. Je vais mettre plein de bonnes choses sur ma pâte. De la sauce tomate, il en faut beaucoup. Du fromage râpé, comme s'il en pleuvait. Ça y est, mon gâteau est prêt. Ne touche pas au four, Trotro, c'est très chaud. Maman a mis mon gâteau au four, juste à côté du sien. Ça sent déjà très bon. Maman, maman, mon gâteau est cuit. Et voilà le très beau gâteau de Trotro. C'est papa qui va goûter mon gâteau en premier. Bien sûr. Il a l'air très bon. Ah. Ton gâteau, Trotro, ce n'est pas un gâteau. C'est une pizza. Une très bonne pizza. Oui, c'est la pizza Trotro. Maman dort encore. Il ne faut pas faire de bruit, Trotro. Oh ! Bon, ça va. Maintenant, tu vas faire un jeu calme dans ta chambre, d'accord ? Oui, papa. Un jeu calme. Pas de tambour. Pas de ballon. Pas les patins à roulettes. Tout ce que j'aime fait du bruit. Ah ! Ça, c'est un jeu calme. Tchou-tchou, tchou-tchou, le petit train. Tchou-tchou, tchou-tchou. Ah. Oh. Chut, Trotro. Tu sais que maman voulait rester au lit plus longtemps aujourd'hui. Ça fait du bruit? Oui. Ah.
gagné. Oh! Ah! Opa! Opa! Au trot! Au trot! Au galop! Au galop! Au galop! Au galop! Chut! Trop trop! Ça fait encore trop de bruit? Tu as deviné. Tout ce qui me plaît fait du bruit. Je peux jouer à dormir, c'est un jeu calme. Mais c'est ennuyeux. Bleu, bleu. Ça ne fait pas de bruit, ça. Je suis un monstre. Tu m'as fait peur, trop trop. Chut, papa, tu fais trop de bruit, tu vas réveiller maman. Vroom, vroom. Trop trop, il y a une lettre pour toi. Une lettre? Pour moi? Ça alors, une lettre pour moi? C'est où? C'est où la lettre pour moi? Là, sur la table, mon trop trop. Comme elle est grande. Oh! Et c'est très beau. Vite, papa. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Trop trop, tu es invité à mon goûter d'anniversaire. Et c'est signé Nana. Oui. Tu en as de la chance, trop trop. Je suis invitée par Nana. Maman, maman, je suis invitée à l'anniversaire de Nana. Oui, j'ai entendu, mon trop trop. Vite, il faut un cadeau. Là-dedans, je vais trouver un beau cadeau. Un camion, non. De la peinture, non. Un petit seau, non. Ah, ça. Ça, non. Oh, ça c'est bien. Mon doudou d'avant nounours. Regarde maman, j'ai trouvé mon cadeau d'anniversaire pour Nana. Trop trop, tu ne peux pas offrir ce vieux doudou. Mais maman, c'est un bon doudou gentil. Oui mon trop trop, mais Nana a déjà son doudou à elle. Eh bien, trop trop, qu'est-ce qui ne va pas? Maman ne veut pas que j'offre ce doudou à Nana. Maman n'a peut-être pas tort. Tu sais, trop trop, les filles aiment beaucoup les fleurs. Tu peux même faire un collier avec des fleurs. Je vais te montrer comment. Alors voilà, tu cueilles plein de pâquerettes avec une tige bien longue. Merci, trop trop. Maintenant, on va les attacher les unes à la suite des autres pour faire un beau collier. Trop trop, tu es prêt? Ça va comme ça, maman? Oh, tu es un très beau trop trop. Tiens, voilà mon cadeau pour Nana. Merci, maman. Tiens, bon anniversaire, Nana. Oh, merci. Et ça, c'est moi qui l'ai fait pour toi. C'est très mignon, j'adore les petites fleurs. Je suis très contente de ton cadeau, merci trop trop. Oh. Viens, on va jouer, il y a déjà Lily. Nana m'a fait un bisou. Viens. C'est Nana là-bas. Salut Nana. Elle ne m'a même pas remarqué. C'est vraiment pas juste. Comment faire pour qu'elle me remarque? Et si je l'attaquais comme ça? Ya 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 ya. Non, elle n'aimerait pas ça.
et je n'ai pas envie de faire pleurer Nana, moi. Je vais demander à papa. Il sait, lui, puisqu'il s'est fait remarquer par maman. Papa, papa, papa! Papa! Oui, mon trotro, que veux-tu? Comment as-tu fait pour que maman t'aime bien? Eh bien, je l'ai invitée à danser. À danser? Waouh! Super idée! Mais je ne sais pas danser, moi. Papa, apprends-moi à danser, s'il te plaît. D'accord, trotro. Regarde, fais comme moi avec tes pieds. Waouh, waouh! C'est bien, Trotro, tu y arrives! J'y arrive, je sais danser! Merci, papa! Où cours-tu comme ça, mon Trotro? Je vais dans le jardin pour inviter Nana à danser pour qu'elle m'aime bien. C'est bien, Trotro, mais tu sais danser? Non, enfin, si, mais... Viens, je vais te montrer. Tu vois, Trotro, c'est facile. Tu tapes et tu tournes. Je tape et je tourne. Je tape et je tourne. Je tape et je tourne. Oh, yo. Oh là là, c'est le jardin qui tourne. Voilà, tu es prêt, Trotro. Va vite inviter Nana. Merci, maman. À tout à l'heure. Nana. Salut, Trotro. Nana, est-ce que je peux t'inviter à danser? Danser? D'accord, Trotro. Danser, je fais comme papa ou comme maman? Je sais, je vais faire les deux à la fois. Ça sera encore mieux. Mais Trotro, qu'est-ce que tu fais? La danse, ça marche bien pour se faire remarquer. Trotro, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Non, Lily, touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé! Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer.
Waouh, se prêter les jouets, c'est plus rigolo. Ça y est, papa? Voilà, c'est bon à présent. Waouh, il est beau mon sapin. Oui, et puis il va continuer de grandir comme toi. Ça y est, papa, je peux le décorer maintenant? Bien sûr, Trotro, mais je ne sais pas où maman a rangé la boîte des décorations. Et quand est-ce qu'elle revient, maman? Quand elle aura fini de faire ses courses. Moi, je vais continuer à préparer le dîner. C'est trop long d'attendre, maman. Voilà déjà une guirlande jaune, petit sapin. Et avec, tu seras bien au chaud. Et hop! Une décoration! Les jolis colliers de maman. Très très jolies toutes ces boules de Noël. Les cravates de papa, ça fait des belles guirlandes. Des belles chaussettes pour le Père Noël. Une pour maman, une pour papa. Et une pour Trotro. La carte de mamie. Et voilà. Il manque quelque chose. L'étoile. Ah. Coin coin est jaune comme une étoile. Plus que toi. Et c'est parfait. Coucou, c'est maman. Oh. Oh. Le beau sapin. Le beau sapin. Oui, et c'est moi qui l'ai décoré tout seul. Il est superbe ton sapin, Trotro. Bravo. Il est parfait pour Noël. Il n'y a rien à changer. Sauf Nounours. Parce que la nuit, il doit dormir avec son Trotro.